Hey, salut tout le monde! Et aujourd'hui, petite information. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de Letstone, mais je suis dans l'incapabilité de continuer Letstone. Alors, de 1, parce que comme un con, j'ai supprimé la map en pensant que c'était une autre map bidon. Et de 2, mon ordi portable commence à. C'est même plus du lag qu'il a. C'est. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais voilà, c'est plus du lag. Hein. C'est pas possible. Donc, j'ai décidé de recommencer un truc dans le même genre. Sauf qu'on fera pas de gros trucs comme j'avais fait la dernière fois. Un énorme ascenseur à mobs et tout et tout. Parce qu'en plus, je me suis rendu compte que vu qu'on était trop loin, ça spawnerait pas. Voilà, donc là on va voir en fonction de ce qu'on on va tomber sur quoi et puis on va faire. Ok, donc la série s'appellera Let's Story. Et bah c'est parti, hein. Let's go. Donc, au début, les deux ou trois, les 3 ou 4 premiers épisodes vont être un petit peu chiants. Mais franchement, j'ai commencé une série sur mon Mac, enfin mon petit ordi que je n'utilise plus que pour m'amuser dessus, enfin je ne joue pas personnellement dessus. Et bah franchement, j'ai eu une de ces chances, je suis tombé sur un spawner à un mob, sur un spawner à. Donc là on va trouver un. Oh la vache, c'est quoi ce délire? Elle était mal générée ou quoi la map? Ah, j'ai jamais vu ça. C'est pas possible. Bon bah on va s'établir en barre, écoutez. J'ai jamais vu ça. J'ai cru qu'on était sur une map de Fallen Kingdom presque. Franchement j'aurais cru. Merde, je veux pas. Non! Bon, on va s'établir en bas. Mais déjà, on va couper du bois. Ah, il y a avoir une mine qui part là-bas. On va couper du bois. Ouais. Getting wood. Hop. Oui, donc aussi, je vous avais aussi parlé d'un Fails Kingdom. Mais avec les problèmes que j'ai de Mac. De bugs. Ça va pas être possible. Hop. Alors, attendez. Je regarde juste un truc avec ma souris. Paf. Voilà. Voilà. On va faire ça comme ça. Hop. Hop. Je vais me faire une hache après. Parce qu'on va pas couper du bois éternellement. Le début, le principe, notre principal but au départ, ça va être de nous faire une petite maison. Ah oui, puis là, je commence l'aventure avec vous, alors que sur l'autre, sur Leadstone, j'avais commencé avant. Après réflexion, ah, c'est pas cool. Enfin, c'est un peu moins cool. C'était un peu moins chiant, je vous avoue, mais bon, c'est plus trop dans le contexte dans Let's Play quoi. Alors. Voilà, on va en couper 10. Non, puis il y a les 11. Si on a un autre, on va le couper aussi. Ah bah on va le couper aussi, hein. Pourquoi pas, on est lancé. Ah et bah lui aussi, pourquoi pas. Bon, après c'est trop haut. Ok, donc on va aller s'établir en bas. Je trouve ça plutôt pas mal en bas, comme ça, si on a des choses à faire à l'abri, bon, on pourra directement miner à l'intérieur. On va se mettre au milieu, hein. Alors attendez, juste avant, je regarde. Qu'est-ce que. Oh, mais c'est trop bizarre. Comment la map, elle s'est générée bizarrement. J'avais encore jamais vu un truc comme ça. Mais bon. J'ai bien envie de me mettre en plein milieu, moi. On va se foutre en plein milieu. Bon, déjà. Alors, je vous le dis tout de suite, niveau maison. Je ne suis pas un balèze de ça. Voilà. Donc,
Désolé si la déco est pourra. Mais de toute façon, quand on sera un peu plus avancé dans le let's play, on aura l'occasion de faire de la meilleure déco. Hein. Voilà. De toute façon, on fait un truc vite fait, qu'on ait de quoi mettre plusieurs coffres. Alors là, on va avoir un coffre là, un coffre là, et non, on va en mettre un là. Voilà. Là et puis non pas là. Bon ça comme ça une fois que ce sera fait on aura pu le refaire. Et puis je pense que je ferai une porte à piston bon, on fera un truc qui reste sur de la redstone quoi. Puis je mettrai deux trois fenêtres aussi. Ah. Je vous jure, mais sur mon Mac, mais c'est injouable. C'est n'importe quoi. C'est même plus de l'injouabilité, hein. C'est du n'importe quoi. C'est je peux pas faire deux mouvements sans que je sois complètement buggé. Là, ça fera quatre outils, c'est parfait. Ah non, ça en fera que deux. Bon, tant pis. On va faire une pioche et une hache. Une hache. Et une pioche. Hop. Alors, on va faire ça vite, def le toit. Hop, on va faire pour faire un truc de. Hop. Allez. Oh, déjà plus que 3. Oh my god. Oh, oh là là. Je peux avoir assez de bois pour finir. 1, 2, 3. Ah si. Pas le toit. Pas le toit. Bon, de toute façon, j'ai fait une hache. Donc, on va aller en profiter pour aller couper du bois. Couper du bois. Puis, on prendra du charbon pour éclairer les zones. Pour pas qu'on se fasse emmerder par les mobs. J'espère qu'on va trouver des spawners ou des trucs comme ça pour qu'on puisse se faire une usine à XP ou une usine à d'autres usines en fonction du mob spawné. Ça va plus vite avec une hache quand même, hein. Ça me fait bizarre parce que j'ai trouvé un super texture pack, c'est ça doit être Real 3D ou un truc dans le genre. C'est vraiment un texture pack vraiment très très joli. Donc là, ça me fait un peu bizarre de voir texture pack de Minecraft tout pourri. Enfin, tout pourri de base. Ça fait un peu bizarre. Mais bon. La map s'est générée n'importe comment. Alors là, il y a des falaises. Bon, allez, on va couper lui au passage. Le truc, c'est que là, il y a des arbres un peu énormes. Un petit peu énorme. Et donc c'est un peu chiant parce que pour replanter après voilà. Ah bah tiens, on a une pousse. On va la replanter. Voilà. Et puis on va prendre un peu de caillou. Hein, un peu de caillou. Car il nous faut le caillou. Du charbon aussi. Ça fait deux fois que je le dis, mais c'est pas grave. On va faire ça propre quand même, on va pas faire ça à l'arrache avec les coins qu'on voit pas de l'intérieur mais qu'on voit bien de l'extérieur. Et oui, donc j'avais envie de faire un truc de 3 de haut. Bah écoutez, on le cassera après. Ah ouais, fuck. Ah bah non, c'est bon. Oula. On va faire un truc tout plat de l'intérieur mais de l'extérieur on va faire un truc qui monte vite fait. Oh puis. Je sais pas. Toute façon, moi, la déco, ça fera toujours 26 000. Enfin, en fait, si j'aime bien faire la déco, mais quand c'est tout fini, en fait, au départ, j'ai un peu, ça me saoule un peu de faire la déco. J'ai envie d'avancer vite. Enfin, d'avancer vite. J'ai envie que ça se fasse sans qu'on perde 4 heures à, voilà, à faire ça, quoi.
Ah, mais au moins, ça c'est fait. Oh putain! Ah non, c'est bon. Voilà, on a notre vieille maison toute pourrie. On va se faire un toit. Ah, un toit. Un toit. Une porte. Puis on va aller prendre du charbon. Et puis on va virer la neige. Ah, bien sûr. Voilà, parce que moi j'ai jamais vu de la neige dans une maison, mais à part ça, bon, puis franchement, le sol, on n'en a rien à péter, hein. Le sol, on s'en fout. Oh bah tiens, oh bah écoutez, bon, par contre, je me rappelle plus, mais ouais, on va devoir aller chercher du caillou. Le caillou, par contre, le charbon, on n'a pas besoin. Voilà. Oh là là. Ça va plus vite avec une pioche Effiant 6 et Effiant 6 4. Hein. Essayer de faire ça avant la nuit. Hop. Bon, on prend une petite quinzaine. Pour commencer, on n'en a pas besoin en masse, hein, vu que ça produit quand même 4 torches. Chaque fois, je quitte le bloc avant même qu'il soit fini, donc ça m'use la pioche, désolé, pour rien. Ah, oh, allez, ah voilà, encore une fois, pourquoi pas? Putain, c'est pas possible. Voilà, bon, ça en fera quasiment 20. Bah, il en reste un. Puis peut-être qu'après. Ah, oh, bah la vache, il en reste plein, oh. Après, je pense qu'on ira voir. On ira. Ah, mais il n'y a pas de son. Oh! Je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de son. Désolé. Excuse me. On va faire quoi? On va faire. Allez. Hop, puis on va regarder un peu pour le four qu'on va faire. Puis déjà on a un petit stack. Déjà ça va éclairer. Hop, et puis on va éclairer un peu les alentours. Comme ça, juste avant la nuit. C'est un peu lagué quand même. Tiens, un cochon. Ah oui, on va devoir aller prendre de la bouffe aussi. Ça va nous... Putain, pourquoi je pose deux à chaque fois? Explique-moi pourquoi, de rien. Voilà. Hein? C'est bien, il y a un peu du charbon un peu partout. Tiens. J'avais peur. Voilà, bon, déjà. On va y aller à la main. À la torche, allez. À la torche, allez, crame. Ah bah putain. T'es pas pressé de mourir, toi. Puis on va regarder un peu pour aller miner après. Laissez voir, je suis pas en peaceful. Bah tiens. Voilà. Un là. Enfin, une plutôt. Et une là, et puis on va en mettre une laine dedans. Et puis on a déjà pas mal éclairé. Ah, par contre là-haut, c'est pas très très bien éclairé. On va éclairer un petit peu. Ah ouais, par contre, va falloir que j'aille éclairer au-dessus parce que je sens que les meubles vont tomber du dessus. Oh, toi, t'aurais pas dû venir là.
te calmes, tu te calmes. Il est où? Allez, putain, une heure pour tuer un foutu cochon là. Mais c'est pas possible ça. Bon, tout à l'heure, je me ferai une épée. Bon, allez, toi t'as la vie sauve cette fois-ci. Bon, attendez. Non mais what the fuck? Oh! Bon, allez, fuck. Une torche là et c'est bon. Allez, peut-être un peu à l'intérieur aussi. On va choper du caillou pour récolter le fer. Alors, le caillou, on va le prendre là direct. On prend assez pour se faire un four. Et ensuite on pourra continuer. Hop là. Toi mon petit gars. Oh, qu'est-ce que tu vas prendre cher? Je suis pas très haut niveau FPS. Bah ok. Je suis pas très haut niveau FPS. Non mais tu me nargues en plus. Voilà, allez. Putain. Et il va m'en manquer un. Ah non, c'est bon. Puis on va crafter des coffres aussi. Voilà, hop. Ok, on va miner ça. Comme ça déjà, je vais voir si je me fais une épée ou... on va foutre du bois là. Ok, alors ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Paf, on va faire cuire. Je sais pas si je me fais une épée ou une pioche. Alors, on va se garder une pioche en cobble. Hein. C'est pas encore très grave. Mais une épée en cobble. On va plutôt se faire une pioche. Ah bah c'est bon pour la pioche. One, two, three, four, five. Paf. Voilà. Et donc ça on le met là. On va faire cuire notre steak. Paf, paf. Voilà. Faire un peu de cochon. Le charbon. De toute façon, le charbon, on aura le temps de le ramasser. Mais le cochon. Ah, vous faites moins les malins là. Hop. Alors. Hop. On va aller voir en haut. S'il y a... En fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de mobs. Hein. Ah, si, il y a un squelette là. Ah, parfait. S'il me drop un petit arc. Donc, tu vas te détendre tout de suite. Oh, il y a un village de PNJ là-bas. Oh, oh, dès qu'il fait jour, on y va. Parfait. Ça va nous faire notre peut-être notre premier diamant.
Allez, le gros noob qui trouve un diamant par un PNJ, quoi. N'importe quoi. Ah, puis, ah bah si, c'est parfait qu'il soit aussi près. Comme ça, on pourra s'en servir pour notre détecteur de jour ou de nuit. Perfecto. Ok, donc bah on va en profiter pour éclairer. J'ai pas dû éclairer derrière moi. Voilà. Hop. Hop. Mais non, une, pas deux. Voilà. On va aller voir au-dessus, on va éclairer un peu devant parce que j'aimerais pas me prendre un petit creeper sur la tête. Voilà. Dès qu'il fait jour, on va avoir le village de PNJ. Ah putain. Mais c'est une falaise ça. Fuck, je veux pas moi. Alors en plus je suis lagué comme un chien. De toute façon ça changera pas. Hein, ma co oh. Il m'a poussé. Genre t'as cru toi. T'as cru que t'allais me buter ou quoi? Non mais. Putain, je vais crever là. En même temps, c'est compliqué le PVO, PVP, PVO, je sais plus. PVE. Bon, bref, c'est compliqué quand on lag autant. Oh, puis parfois on a une petite plaine à côté. C'est notre petit village de PNJ. On va pouvoir les servir en cailloux et en bois. J'espère qu'il y a la maison. Parce que des fois, elle y est pas tout le temps la maison. Elle y est pas tout. Oh, est-ce que je me fais le poulet s'il me drop une petite plume? Ouais, parfait. Ça pour les flèches. C'est un peu chiant. Oh! Non. Oh là là. Oh! Je buguais tellement que mon son il s'est dédoublé. Bon, alors déjà c'est pas mal. On a pas mal de blé. Alors ça doit être des. Non, c'est du blé. Je pensais que c'était des carottes. Ça c'est des. Patato. Ok. Alors, je vais essayer de vous trouver. Donc, déjà, s'il me propose des petites. Non, je m'en fous de l'émeraude. Oh, ça me plaît bien ça. C'est surtout bien. Bien cheaté. Et je vous retrouve dans 2 petites secondes. Ok, c'est reparti. Donc, désolé. Encore Kams qui fait des siennes. Ce qui est marrant, c'est qu'il me prévient en fait. Il me fait attention. Et là, je me retrouve dans 2 secondes. Donc là, j'ai carrément dû couper l'épisode en deux. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, pendant ce temps-là, vu que ça a duré un peu de temps pour que je puisse recommencer, j'ai pris du blé. Car il y avait un paysan qui me demandait du blé contre un émeraude. Et contre. Ah, par contre, attendez. Oh là. Vache, mais c'est quoi ces coups de lag là? Non mais là je vais crever, c'est pas possible. Récupère ta vie, récupère ta vie. Fuck. C'est pas grave, j'avais rien à. Oh! Mais oui, mais non. Ça me plaît pas ça. J'ai spawné où? Ah oui, ok, oui, je me rappelle. Bon, oui, donc, je répète. Donc là, je vais aller rechercher mon émeraude. Ah, putain, vous allez pas me faire chier dès que j'arrive. Vous allez me laisser tranquille, ok. Et, voilà, donc, j'ai été prendre du blé. Que... Putain, oh la vache, ils vont me saouler. Eh ben, attends, il y en a deux. C'est marrant, mais à chaque début d'épisode, pourquoi je meurs à chaque début d'épisode? Ah, ils vont commencer à se tirer dessus. Allez, tirez-vous dessus. Vas-y, tirez-vous dessus. Vous, dessus. Pas sur moi. Pas sur moi. Oh non, mais oh là là, je suis trop désolé. Bon, on se retrouve dès que j'ai récupéré mon stuff. À tout. Ok.
c'est bon. Alors, j'ai dû arriver pile poil parce que ça faisait au moins 5 minutes le temps que je revienne avec les mobs et tout. Attendez, c'est quoi ce délire? Pourquoi ça m'a foutu en game mode 2? What? Bah écoutez, on se retrouve dans 2 petites secondes. Ok, donc bah écoutez, hein, mon game mode s'est changé. Alors là, je sais pas pourquoi. À vrai dire, je m'en suis même pas aperçu vu que j'ai pas volé ni rien. Ou alors ça vient de changer. Bah écoutez, je sais pas. Mais c'est pas grave. Donc j'ai mon stuff. Oui, donc j'ai récupéré. Donc j'ai été prendre du blé pour donner au gars qui avait l'émeraude. Et j'ai été voir le gars qui avait l'émeraude contre Bottle Enchanting pour en avoir 4. Donc on va aller boire. Est-ce qu'on les boit maintenant? Ouais, allez, go. Ah ouais, c'est vrai que ça se jette. Ah bah oui. Bon, bah voilà. C'est fait. Par contre, bah on va attendre qu'il fasse jour. Parce que là, c'est un peu suicidaire de repartir. C'est un peu suicidaire. Ou alors, ce que je fais. Ouais, mais c'est encore plus suicidaire. Vous savez quoi? Attention. Et alors, je vais sortir, je vais me faire agresser, je le sens ça. Bon, allez. Go. Waza, Enderman! C'est pas grave, j'ai pas peur des Enderman. Il y a des squelettes partout, c'est pas grave. Creeper, c'est pas grave. En plus, il commence à faire jour, c'est pas grave. Enfin, non, c'est bien. Allez, rentre à la maison. Go. Ah, c'est parfait. Oh, j'aurais dû les prendre. Bon, c'est pas grave, on viendra les chercher plus tard. On a des livres. Donc, ça va être parfait pour la table d'enchant. On n'aura pas. Putain. Voilà. On n'aura pas besoin de prendre 36 000 tonnes de. J'allais dire de cannabis. N'importe quoi. Putain. Non, de canne à sucre. Cannabis, non mais n'importe quoi. Je vous rassure, hein, j'en prends pas. Des fois, ah, ça y est, il s'est grillé, il prend du cannabis et tout. Non, non, c'est. Bah, en fait, je crois que j'ai dit ça parce que j'avais dit ça à un pote et. Je ne sais pas pourquoi cela m'est revenu. J'avais dit ça. Ah, je cherchais du cannabis. C'est pas grave, bref. J'ai bien envie de sauter directement là. Bon, je devrais pas mourir. Hein. Allez hop. Ouais, j'ai eu chaud quand même. 4 coeurs d'un coup, ça fait. Ça fait bobo. Alors, il nous reste du charbon. Donc, on va faire brûler notre côtelette. Oui, donc, bah, hé, je ne vous l'ai pas dit. Mais il n'y avait pas de maison avec un coffre. Donc, il n'y a pas de diamant. C'est ballot. Mais par contre, on a tous les livres et ça va être assez pratique à vrai dire. Hop, on pose ce qu'on veut pas. L'échelle, on en a rien à foutre. Le caillou non plus. Flower non plus. Ça non plus. Ça, on en a besoin. Le poulet, on va le faire cuire. On attend que ça soit fini. Et en attendant, bah écoutez, pour l'instant, ça fait déjà un premier épisode assez conséquent quand même. On a fait notre maison. On a été pillé les villageois. On est niveau 2, mais ça, on s'en fout. On s'en fout. Quelqu'un se reconnaîtra sûrement. On s'en fout. Je sais même pas comment il fait. Il le fait assez bizarrement. Et ben, je pense que on va faire cuire toute notre boubouf. Notre boubouf. Ouais, c'est dommage que j'ai pas le texture pack, mais pour le prochain épisode, je vous le mets. Pour le prochain épisode, je vous mets le texture pack. Enfin, mon texture pack que je trouve vraiment super. Voilà, c'est dit. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que c'est peut-être. Ah non, j'ai plus de charbon. Ah non, c'est bon.
Voilà, ça va aller vite. Je suis en train de me rendre compte que j'ai peut-être mis un texture pack trop conséquent pour mon Mac. C'est peut-être pour ça qu'il lag. Donc je vais aller voir ça après. Enfin, on verra ça après. Voilà. Et pouf! Voilà. Alors, on va foutre ça dans le coffre. Ne vous inquiétez pas, hein. Après on fera un très très grand truc, enfin une très grande maison avec plusieurs systèmes. On essaiera de faire des usines, hein. Plusieurs usines, plusieurs systèmes. Enfin ça va surtout être sur la redstone, hein. Ce let's play va se consacrer essentiellement à la redstone. Bon bah pas encore, hein, désolé, hein. Excusez-moi, hein, mais la redstone ça se fait rare, hein, au départ comme ça. Mais vous inquiétez pas, alors pourquoi tu marches encore? Oh non, j'ai usé mon dernier moulin. J'ai rien d'autre à faire cuire là pendant qu'on y est. Bon bah écoutez, je vais vous dire à la prochaine et puis ouais pour l'épisode 2. Et puis l'épisode 2, on ira miner je pense. Je pense qu'on va on ira miner un peu. On ira chercher un peu plus de bouffe déjà puis on se refera des torches. Et on ira miner. Voilà, donc c'était Mister Diamant Minecraft dans Let's Story, épisode 1. Et bah je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.